Xin chào. We back. Aujourd'hui, on mange quelque chose de quand même assez spécial. Il vient d'ouvrir à Montréal. Yingji Changfan, Yingji Changfan, Yingji Changfan. Yingji Changfan, les amis, Yingji Changfan. C'est un restaurant spécialisé en rouleaux de riz, mais qui vend aussi différents mets, vraiment de style plus Hong Kong. Ouais. C'est un restaurant situé au coin de Sainte-Catherine-Saint-Marc, donc au centre-ville, à côté de Juste Nouille. Star. Ah! Alors, on a bien hâte de manger, on a un peu faim là. First of all, ça s'appelle. Challah. Challah, comme au dim sum là. On a amené nos propres ustensiles aujourd'hui. On peut soit les tremper ou soit les verser, mais. Next! Wouh! C'est avec des crevettes, du bœuf, puis ciboulette. Ciboulette, exact, ouais. Exact. Alors, j'y vais? Ouais. Oh, vraiment bon. C'est-tu comme au dim sum ou... C'est meilleur. Non, mais non, ça c'est crevette, ça c'est bœuf. Ah, ok. My turn. La pâte, elle est très fine, alors. C'est bon? Bon. Ah, oh, let's go next! Wow! Sauce au peanut, un peu? Ouais. Wow! I like it! C'est pas tout! Ça, ce plat-là, c'est Kale Yudan. Ça veut dire quoi? Je pense que c'est curry fishball. Ah oui, oui, oui! On va faire comme une vraie broche. Yeah! Oups! On aime les brochettes, hein? Comme à Hong Kong. Un peu piquant. Fishball, en fait, une boulette de poisson. Wouh! Et si on reste encore dans les poissons, on a le... Pot de poisson frites. Wouh! Ça, c'est un bon plat accompagné avec la bière. J'y vais? Ouais. C'est crunchy! C'est bien proche. Bien proche! Crunchy? Comme des chips. C'est pas trop salé. On vous recommande de le commander d'avance. Vous avez vu que ça vient d'ouvrir. C'était vraiment occupé. Beaucoup de commandes pour emporter aussi. Donc, En face du magasin, vous pouvez vraiment voir le menu qui est disponible. Et choisir en premier avant de rentrer à l'intérieur. Seulement 2 personnes permis à l'intérieur. Puis aussi, pour l'instant, je pense qu'ils prennent seulement cash. Ouais. Alors, assurez-vous d'avoir de l'argent comptant. On n'a pas juste ça. On a d'autres choses aussi. On a les dumplings de Chang Lai. Dans le fond, c'est un autre petit restaurant dans un genre de mall. Food court. Faubourg. Dans le faubourg. Alors, tu sais, on a juste pass-by puis qu'on a vu... On voulait aller aux toilettes. Ça a donné qu'on est tombé sur ces dumplings. Alors, on va s'essayer. On va essayer ça. Les propriétaires étaient bien, bien, bien gentils. Alors, une petite sauce qui vient avec aussi. C'est quoi ce que la sauce? Soya. Bon. Tu vois? Ah, wow! Wow! Porc et maïs. Ah, c'est bon! J'ai jamais mangé ça. Avec des maïs dedans. Moi, j'adore les maïs. C'est comme spécial. La sauce aussi est bonne. Ouais. Ils vendent vraiment toutes sortes de plats aussi. Beaucoup de plats sautés sur du riz ou sinon des nouilles. Allez les rendre visite, là, ça vaut la peine. Là. 2$? 10$. On a aussi des chips pour accompagner. Chips coréens. Achetez où? À l'épicerie coréenne. Dongtu. Dongtu. Oh, avec les baguettes. Avec nos mains. Honey butter chips. Wow.
Wow. Now, time for my favorite drink. On a ici le Hong Kong milk tea. Un thé au lait style Hong Kong. De Yingji Changfan. De Yingji Changfan, ouais, exact. Belle. Il faut que vous essayiez le milk tea. Là. Ça coûte pas votre thé traditionnel là, de bubble tea. Là. On a acheté un peu de sucre, c'est mieux. En termes de prix, c'était vraiment un bon deal. Yingji Changfan, ça a coûté quoi? 29$? Après 5$, 6$ chaque item. Allez, tes coups de cœur? Commence par Yingji Changfan. Ok, Yingji Changfan, mon coup de cœur, c'est vraiment les Changfan, donc les rouleaux de riz. Crevettes ou bœuf, les deux sont excellents. La sauce, très goûteuse. Le Changfan est très mince. Évidemment, je pense que l'attente a fait en sorte que c'était rendu un petit peu froid, mais tu sais, c'est normal. Et deuxième coup de cœur va être vraiment le talon. Talon. Donc vraiment le beignet frit avec rouleau de riz. Mélan, c'est quoi ton top? Ben moi, j'aime bien ça, le rouleau de riz. Mais ça, je suis pas fan de ciboulette dans la vie. Donc, je pense que je prendrais ça, quelque chose sans ciboulette, si possible. Plus 10, 10 plus. Et moi, j'aime beaucoup les pots de poisson aussi. Et... les dumplings. Oh my god. Excellent pour vrai. Là, on s'attendait pas à ça. Là, on a juste trouvé ce restaurant somehow. Mais ils sont excellents. Allez les essayer. Une grosse surprise. Ouais. Tu sais, parce que normalement, c'est toujours porc, coriandre, ouais. Mais là, porc et maïs. Ah! Donc aujourd'hui, une vidéo un peu plus courte. Mais notre but était vraiment d'aller visiter Yingji Changfan qui vient d'ouvrir à Montréal. Ouais. Félicitations pour leur ouverture aussi. On leur souhaite beaucoup de succès. Shout out à Tony. Alright, so merci beaucoup à vous tous pour votre visionnement. See you guys très bientôt. Yup. On vous invite tous à like et subscribe à Juste Ri.